Bien le bonjour à toutes et à tous! Merci infiniment Philippe pour cette magnifique vidéo de Saint-Trojan-les-Pins. Apparemment, et on l'entend surtout pas mal devant, attention, sachant que la ressemblance capillaire avec Bruce Willis est présente, de ne pas se faire décoiffer. Non, rassurez-vous les amis, c'est un truc entre nous, voilà. Des petites chamailleries entre nous. Merci Philippe, magnifique. En plus, beau soleil, il faut en profiter. Avant de commencer ce butin, évidemment, s'il vous plaît, on n'oublie pas la petite réaction, le commentaire qui va bien, ainsi que le partage. Merci d'avance. Place maintenant à votre bulletin pour le mercredi 10 mars. Bon, eh bien ce mercredi matin, encore une fois, pas mal de soleil sur l'Hexagone, malgré la présence de brume et de brouillard très localement sur le centre-ouest et le sud-ouest. Des passages de nuageux sur le nord-est, arrivée d'un bon voile nuageux des Hauts-de-France au Pays de la Loire. Ça sera les prémices d'une perturbation qui commencera à entrer en milieu de journée. Le ciel restera déjà bien chargé dès le début de matinée entre le Cotentin et la Bretagne. Possibilité d'averse sur le sud-ouest de la Corse. Le vent soufflera de secteur sud-ouest sur les côtes de la Manche, pardon, et les côtes bretonnes, de secteur nord-nord-ouest sur le golfe du Lion. Le mercure qui va remonter un tout petit peu pour la moitié nord ce mercredi matin. Et pour ce mercredi après-midi, voilà. Voilà. Fallait s'en douter, la perturbation va entrer. Elle donnera des pluies faibles à localement modérées des Hauts-de-France au Pays de la Loire en passant par la Normandie et la Bretagne. Donnant également du vent assez soutenu de secteur sud-ouest, même à l'intérieur des terres, sur le bocage normand jusqu'à 70 km par heure. Prudence. À l'avant! Et bien voilà, un ciel chargé de très rares éclaircies. Voile nuageux entre les deux départements savoyards en redescendant sur le Pays Basque et le Béarn. Et du plein soleil sur le reste, pardon, du relief alpin redescendant sur le golfe du Lion et la côte méditerranéenne. Soleil passage nuageux sur la Corse. Le mercure qui remonte un tout petit peu pour la moitié nord, un tout petit peu également pour la moitié sud, localement sur le Var, des pointes entre 15 et 16 degrés ne sont pas du tout à exclure. Donc bon, quand même une belle journée niveau mercure au sud, mais côté ciel, c'est vrai que si on est au nord, voilà, mais il faut de l'eau quand même. Oui, si on veut passer l'été, il en faut un petit peu. Bon, maintenant, place à votre éphéméride. Ce mercredi 10 mars, 69e jour de l'année. N'oubliez pas de faire une bise virtuelle à toutes les Anastasia ainsi que les Vivien. Le soleil se lèvera à 7h19 et il se couchera à 18h57. Le coefficient de marée sera en moyenne de 60 à marée basse et de 67 à marée haute. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain bulletin météo. Ciao, bye bye!